Et tac. Bon, salut Alex, je sais pas si tu es là. Je sais pas si tu es là. Vraiment tout. Bon, alors ça c'est bon. Hop. Bon, putain de vous. Tac. Bon, voilà YouTube. Hop. Bon, oui. Alors. Alors, on va y avoir. Alors, attends. J'ai mis quoi tout à l'heure? Bon, bah, on va faire celui-là. Hop. Faites demi-tour dès que possible. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Bon, j'espère que cette fois-ci, je vais pas avoir un panneau ou une saloperie sur les toits. À 400 mètres, tournez à gauche. J'ai toujours cette impression, hein. J'ai toujours cette peur d'avoir le... Pas beaucoup du tout, cette. Toujours cette apparence, moi. Toujours cette apparence, moi. En plus, ça, c'est des panneaux que j'aurais pu largement Vous avoir. Avez atteint votre destination. En plus, ça, c'est des panneaux que j'aurais pu largement. J'aurais pu largement trouver quand je faisais mes courses. Largement. Bon, bah ça c'est bon, maintenant on va faire celui-là, hop. Bon, ça je pense que c'est des circuits, je pense que c'est des... je pense que c'est que ça c'est des panneaux passifs. Je pense que c'est des panneaux passifs. Comparé aux autres, je pense que c'est des panneaux... assez simple. Quick game. Ah, merci. Salut les briquets, briquets, Pin, voilà. Pinker, hein. Good game. Oh, c'est Clem, enfin, j'imagine que c'est Clément ton. J'imagine que c'est Clément ton prénom. Clem, hein, tu sais, j'ai. Là ce que je fais là, c'est rien. Hein. Comparé à ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est de la rigolade. Hein.
Ah, tu peux demander à Anto et puis à ceux qui étaient à terre. Tu peux leur demander ce que j'ai fait là, c'est rien. En comparaison, c'est de la rigolade ce que je fais là. Hein. La rigolade. Là, franchement, c'est de la pure rigolade. T'as l'air, par contre, ça a été moins de la rigolade. Je devais sauter dans des trucs, je devais trouver un seau, je devais. Ah, bref. C'était pas rigolo. Mais pas rigolo du tout. Et l'on est drôle. Demain soir, vous allez regarder sur W9 la. Vous avez atteint votre destination. La. Je crois que c'est la petite histoire de France, quoi. Comme t'as détruit tous les panneaux de voyage instantané, le service de voyage instantané d'Horizon accepte de prendre en charge tes frais de déplacement. Ça devrait nous aider dans nos aventures. Je sais pas si vous avez vu. C'est machin, c'est un truc sur W9 demain. Demain, c'est la. C'est la petite histoire de France. Demain, ils sont en prime. Moi, j'aime bien ces. C'est bien ce truc-là, moi, ça me fait marrer. Il raconte l'histoire de France avec des petits sketchs, à peu près à la Kaamelott. Un peu à la Kaamelott. Bon, c'est pas. Ils ont pas les mêmes budgets qu'avec Kaamelott, hein, évidemment. Parce que Kaamelott, eux, quand ils faisaient leurs sketchs de 2-3 minutes, ça. C'était des mini-sketchs qu'ils faisaient, et c'était. Ils faisaient ça dans les. Il faisait ça en Bretagne. Et pour la petite histoire de France, non, c'est pas. Ils ont pas autant de finances que Kaamelott. Mais j'aime bien, ça m'amuse, c'est marrant, c'est drôle. C'est marrant. Bon, en parlant de marrant, voilà. Oh non! Oh putain! Vous avez atteint votre destination. Oh saloperie! Ah non! Putain, j'ai été sûr de ça. Bon, bah, on va devoir essayer. Hein. On va devoir essayer. Bon, ça va. Ah bah, c'est. Ça va. Il y a un truc devant, le panier. Allez, on y va! Là. Non, c'est bon. C'est pas assez loin. Allez, plus lent. C'est pas génial. Je peux pas aller plus loin? Oui. Surtout, je peux pas aller plus loin. Enfin, si je peux aller plus loin, mais il faudrait que je fasse un sacré tour. Ça pète évidence ce soir. Par là, hop, et non, par contre. Bon. Ça pète évidence ce soir. Bon. Bien, salut Grizzly. Alors, attention les yeux. Allez. On y va. On se trouve. Mais non. Oh putain. Chier. Mais c'est normal, j'arrive pas devant, c'est normal. Allez. Oui. Et non. Allez, on recommence. Allez. Oui. Et ben non. Ah putain. Yo frérot. Eh ben ton frérot, il a du mal à avoir. Oui. Et non. Ah putain. Eh ton frérot, il a du mal à.
Il a du mal à avoir un panneau, ton frère. Hop, 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 oui. Et non. Ah, putain. Ah, je vais quand même pas devoir aller plus loin, quand même. Allez, 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 allez. Oui. Oh putain. Bon, bah je l'ai eu. Hein. Je l'ai eu, saloperie. Saleté. Bon, maintenant l'autre. Alors l'autre. Il est ce qui se plante l'autre. Où est-ce qui se plante l'autre? Simple évidemment. Évidemment. Mais il faut bien que ce soit encore en l'air. Ah bah tiens, il est où? Ah oh, bah attends, comment je fais pour aller là où? Oh là, mais ils sont malades, t'es pas intéressé pour aller là où, comment tu fais? Alors. Bon. J'espère pas qu'il faut aller là, parce que s'il faut aller là, je suis pas dans la merde. Non, on va pas assez de... Il y a pas assez de boss en plus, là. Ouais, bah, ça, c'est la bonne. Alors, attends. Il va y avoir une solution, sûrement. Il va y avoir un endroit où il y a une boss, hein. Alors, attends. Où il y a une boss, là. Où y a une bosse là? Là? Non. Oh, moi peut-être que. Ça me paraît. Enfin, on peut essayer, mais ça me paraît. On peut essayer, mais ça me paraît un peu chaud cette histoire. Ça me paraît un peu chaud cette histoire. C'est pas quand même que ça se lève. Ça me paraît un peu chaud cette histoire. On va essayer, on verra bien. Ça me paraît un peu. Oh, bon. ça saute même pas là où il faut sauter. Ça saute même pas là où il faut sauter. Bon. Ah bah ça saute même pas là où il faut sauter. C'est où ça? C'est pas assez haut ça, pas assez haut. C'est pas assez haut. La Lancia, non mais le problème c'est que la Lancia, ça je vois un client. Faut que je vois un film, pas la peine. Non, le problème c'est que la Lancia, le problème c'est qu'elle est pas assez rapide. Et pour faire un saut, il faut. Le problème de la lancière, c'est que elle est pas assez rapide. Ah putain, j'ai fait comment pour l'avoir ce machin. Ah par contre. Peut-être derrière là-bas. Ah bah oui tiens, je suis con. Et je suis vraiment con là, hein. Je suis vraiment con. En plus il y a un truc là pour monter. Je suis vraiment débile. Moi. Vraiment complètement con. Ah c'est bizarre. Con ou con ou bah oui. Bah oui. Si je freine en plus. Je suis doublement con. Allez, allez, allez. Oh putain, c'est pas assez. En plus de toute façon c'est pas assez rapide. Attends, hop là, faut de l'élan. On va prendre l'élan. Ah, faut de l'élan.
Hop là. Voilà. Et hop là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit ? Clem, merci de mettre pour nous. Bon, bah voilà, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Alors, bon. Alors, le problème, c'est qu'il m'en, il m'en resterait deux à trouver des panneaux. Alors, où sont les panneaux là-dessus ? J'en ai peut-être oublié deux, hein, parce que... J'en ai oublié les panneaux. Panneau, c'est pas ça, mission c'est pas ça non plus. Bon ça c'est plutôt pour trop que j'ai fini. Mais non mais c'est pas ça que je vais trouver dans des granges. Non c'est pas ça. Non. Alors, où j'ai loupé un panneau bonus. Où j'en ai loupé un. Ah, deux, parce qu'apparemment j'en ai eu plus deux. Je l'ai eu. Ah, d'accord, c'est bon, j'en ai eu. Faites demi-tour dès que possible. Non, le problème de la Lancia, c'est que pour faire des sauts, sur ce jeu-là, c'est pas assez rapide. Ah oui, une Lancia, oui, ça peut être pas mal, une Lancia, c'est bon. C'est bien pour faire des promenades, pour faire des petites balades sur le jeu, mais... Par exemple, pour faire une course, faire la course en Lancia... Si c'est peut-être bien pour faire du rallye, c'est peut-être bien pour faire du rallye à l'ancien. Mais sinon pour faire du rallye peut-être et encore mais pour faire un saut c'est pas ce qui est conseillé. Faire un saut avec une Lancia. Déjà qu'hier j'ai voulu faire un saut avec un 4x4. Le 4x4, le saut pas assez rapide hein. Ce qu'il faut sur ce jeu-là, c'est des jeux qui soient rapides. Et pas des voitures où ils soient lents, quoi. À 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. C'est pas le but de la manœuvre. Hein ? Forêt du milieu. Qu'est-ce que tu veux dire par forêt du milieu, thème? Vous avez atteint votre destination. Forêt du milieu. Qu'est-ce que tu veux dire par forêt du milieu? C'est que j'ai oublié un panneau qui est dans la forêt du milieu? C'est ça? Que la milieu de forêt, tiens, on va prendre le milieu de forêt. Est-ce que la milieu de forêt, la forêt elle est là, tu vois, la forêt elle est là. Et milieu, il est, quand tu fais le plan, il est là le milieu. Hein. La carte elle est pas si grande que ça, la carte. Hein. Et le seul endroit où il y a de la forêt, c'est là. C'est dans Lakehurst Forest. Ah mon panneau. Ah oui. Faites demi-tour dès que possible.
possible. Clément, j'ai... Moi, là, je vais avoir tous les panneaux parce que j'ai acheté la... En fait, j'ai acheté la carte où il t'indique que tous les... Où il t'indique tous les panneaux. Tous les panneaux bonus. Donc là, au niveau des panneaux bonus, c'est pour ça que je les trouve assez rapidement, parce que assez facilement aussi. C'est parce que j'ai acheté la carte pour me montrer les emplacements. Alors je sais, c'est pas bien. Je sais, c'est pas bien, c'est la triche, hein, ça. Mais bon. Je mets au défi n'importe qui. Je mets au défi quiconque à me dire qu'il a trouvé tous les panneaux bonus. Tout seul en se tant fait chier à aller chercher. Parce qu'il y en a certains des panneaux. Pour les trouver, pour moi que. Ils sont en pleine forêt les panneaux, pour moi que pour les trouver. Faut se lever de bonheur. Donc, vraiment, je vais, oula. Vraiment qu'il y a certains. Il y a certains panneaux que j'ai trouvé en pleine forêt. Même en pleine montagne même. En pleine montagne. Sans la carte des emplacements qui te montre tous les panneaux bonus, je pense que t'aurais peut-être mis la main dessus, mais j'aurais peut-être trouvé, mais à mon avis, soit ça aurait été par hasard ou, enfin voilà, ça aurait pas été. Oh non. Vous avez atteint votre destination. Oh là là, c'est une putain. Bon. Alors. Voilà, on va s'amuser. Oh putain. C'est en plein champ, en plus il n'y a pas de truc pour sauter. Oh mais il n'y a rien pour sauter là. Attends, mais tu fais comment là? T'as pas de boss hein? Tu fais comment pour ça risque d'être problématique hein. Oula, attends, non. Me dis pas qu'il va falloir que je prenne de l'élan en tout en bas et que je. Oh putain. Oh bah si j'y arrive. Si j'y arrive, vous me payez un kilo de frites. Hein. Ouh bah non. Alors du premier coup j'en doute, mais bon. Ah bien, on va essayer. J'en sais rien si j'y vais. J'y arrive. Je sais même pour le panneau en plus. Là je fais vraiment dans le Oh d'accord. D'accord, c'est pas.
Salut, une ricaille. Ah oh, ben j'en suis vraiment. Ah! Attends. Ah, je vais essayer de prendre le plus rapide. La plus puissance des vitesses. J'ai d'aller à fond. J'essaye, je garantis pas, mais j'essaye. C'est de moi. C'est moi. Ah là là. J'essaye de choper un panneau qui est qui est là-haut. Et comme tu peux le voir, c'est loin d'être évident. Allez. Ah. Et là, le problème, c'est que c'est pas bon parce que la voiture va à droite, à bas, à gauche, à bas, à droite, à bas, à gauche. Ok. Ah, purée de bordel, les petits pois. Allez. Oh, salopard. Saloperie. Ah, oh, j'y arrivais. Allez. Ah, purée des petits pois. Ah, oh, la peine. Oh. Putain. Ah, c'est pas évident de viser, hein. Putain, de viser pile poil, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Oh là. Ça, c'est même pas encore assez. Ah bah oui, mais oui, oui. Ah, putain. Ouais, le problème, c'est qu'un peu plus à gauche, oui, c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est qu'un peu plus à gauche, après, pour... C'est... Elle est pas mal finie, hein, mais... Oh. J'y arrive, j'y arrive. Ah, putain. Oh, putain. Ça, c'est pas encore assez loin. Là. C'est pas encore assez loin. D'aller le plus loin, mais vraiment le plus loin. Allez, on y va. Vas-y, on y va. Allez. 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 Ouais. Yes, je l'ai eu. Oh putain, je l'ai eu. Eh ben putain.
vous l'avais dit que je l'aurais. Je vous l'avais dit que je l'aurais. Je vous l'avais dit que je l'aurais. C'est sûr. Ah, mais moi, c'est sûr. C'est pas un panneau qui va m'emmerder quand même. C'est pas un panneau qui va m'emmerder. Non mais... Alors... Bon, allez. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? 8h30. Bon, allez. Je vais essayer. Maintenant, je vais faire toutes mes... Allez, on va faire les tirages. Hein, combien de tirages? Alors, voyons voir. C'est quoi comme message? Vous êtes le meilleur? Non? Non. Alors, cadeau, c'est quoi ça? Super tirage. Et puis, bénéfique, machin. Ouais. 9000. Ouais, bof. Ah bah, les tirages, à mon avis, j'aime l'avoir les tirages. Oula, j'ai combien de tirages? Oula, 63. Pouf. On va les faire, hein. On va les faire. Alors, j'espère juste que je vais... Ah, 50 000. Ah, mais peut-être qu'avec les 70 tirages, je vais peut-être pouvoir m'acheter la... J'ai peut-être pouvoir m'acheter la Koenigsegg qui coûte oh non, on passe. Ah, ça, c'est ça le truc que je redoute. C'est de me choper des vêtements à la noix. Ouais. Je vais peut-être réussir à l'avoir, cette Bugatti, tout compte fait. Cette Koenigsegg, du moins. Non. Ah, oui, ça, c'est bien. La Koenigsegg qui, d'après les dires de certains, serait la plus rapide du jeu. Je demande à voir. Je demande à voir. Parce que si j'arrive à l'avoir, cette Bugatti-là, à mon avis, il y a des sauts. Comme elle est plus rapide que la... Comme apparemment elle est plus rapide que la Super Sport, d'après ce que j'ai entendu dire. Moi, ça me paraît... Bon. Ça me paraît gros, mais bon. Apparemment, elle serait plus rapide. Quand on voit que la Bugatti Super Sport en ligne droite, elle arrive péniblement à faire... elle arrive péniblement à atteindre les 400. En ligne droite, c'est même pas la peine. Les 400, c'est pas pénible en fait. Elle arrive à 401, 402 et encore avec beaucoup de mal. Parce que on entend le moteur qui pousse, on va dire. Donc c'est pas super super quoi. Ah, la connerie qu'ils ont fait sur ce jeu, c'est de mettre des vêtements. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des vêtements, franchement? Avant, sur le 3, il n'y avait pas de vêtements. Il y avait soit tu gagnais une voiture, ou tu gagnais... Félicitations. C'est ce qu'on appelle une édition Forza. Elle a des améliorations que tu ne trouveras nulle part ailleurs, aussi bien sous le capot qu'à l'extérieur. Je n'ose même pas imaginer ce que tu vas faire avec ça sur la route. Boost de prouesse de vitesse. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc elle va vraiment péniblement à 400. Et vraiment péniblement, quoi. Bon, une fois j'avais essayé, là, sur le jeu, de la faire aller en ligne droite sur l'autoroute. Quand j'ai vu qu'elle avait un temps pas possible à mettre à 400, j'ai dit, bah, donc 400 km/h, les gars. Ah oui, ça sert à rien, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ça sert à rien, les vêtements, mais qu'est-ce qu'il veut que j'y fasse? Ça sert à rien, les vêtements, je suis d'accord avec toi, mais... C'est la nouvelle connerie, ça, c'est la nouvelle connerie, ça, c'est de nous mettre des vêtements. T'es obligé de faire avec, de toute façon, hein. T'as pas grand choix, hein. Si seulement, vraiment, ça, un bracelet, qu'est-ce qu'on a à foutre du bracelet? Si franchement tu pouvais les revendre, les vêtements, pour te faire de l'argent, ça serait bien, mais tu peux même pas. Qu'est-ce que c'est dans la foule des vêtements, franchement. Là, tu vois, là, si je ramassais pas ces saloperies de vêtements, j'aurais au moins 3 millions, là. Facile. Ramasse ça, et tu fais que ça.
On se le dira, c'est une voiture. Une voiture, ça, une voiture en a toujours besoin. Oh putain. Une fois, j'avais eu un super tirage et j'ai eu trois vêtements pareils. J'ai eu un vêtement spécial, je sais pas quoi. Les vêtements, qu'est-ce qu'on en a tiré des vêtements? Voilà. Voilà, tout l'argent que je perds à acheter ces surplus de vêtements. Ça sert à rien. Ah, moi ça. Ah, 5000, ouais, youpi. 5000 crédits, bah, j'ai rien, j'ai rien. Ah, moi ça. Allez, un petit légendaire, ouais, youpi, je suis content. Qu'est-ce que je suis content avec ça? Moi, ce que je veux, c'est pouvoir acheter la. Enfin, j'espère pouvoir me l'acheter, c'est la Koenigsegg, c'est la. Koenigsegg, je sais plus quoi, là, qui est apparemment, au dire de certains, ce serait plus rapide. Mais vu comment c'est parti, à mon avis, je risque de pas pouvoir me l'acheter, mais bon. Ah, voilà, 100 000, c'est bien ça. Voilà. Ah, si j'avais un peu plus souvent de ça, de 100 000, ça irait vite. Hein. Ah, voilà, 120 000, ah, voilà. Hop là, allez, je vais atteindre 3 millions, ça va aller vite. Hein. Voilà. La super voiture, tu parles de quoi? De la Koenigsegg? La Koenigsegg, je crois qu'elle doit coûter dans les 3 millions, c'est comme ça. Des millions, je sais plus. Ah, moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Après, je sais pas, hein. Moi, j'ai entendu dire que sur le jeu, sur ce Forza-là, j'ai entendu dire que la Koenigsegg, je sais plus quelle marque, était plus rapide que la Bugatti, c'est pas ça. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Après, j'en sais rien. Mais bon, moi, ça me paraît... plus rapide, moi, ça me paraît... Parce que la Bugatti, quand même, Super Sport... moi, j'avais lu sur Internet, elle a été quand même reconnue... elle a quand même été reconnue comme la voiture étant la plus rapide au monde. Hein. Parce que elle peut être... Enfin, Sur Test Drive 2, je sais que la Super Sport, moi j'avais réussi à la faire monter jusqu'à 420-430 km/h. Et encore, si tu te mangeais pas de voiture, tu pouvais la monter en vitesse max à 432. Et ça remonte à. Ça remonte sur tes drive 2, alors maintenant t'es à 100 000, voilà, ça monte. Alors je veux dire, tes drive 2, maintenant il est, bon, il a la ramasse. Mais c'est vrai que quand j'y repense, sur tes drive, c'est vrai que la Koenigsegg, elle était plus nerveuse et plus rapide que la Bugatti. Enfin, plus rapide. Elle atteignait pas les 400. Mais elle montait assez vite dans les tours, quoi. C'était vraiment, c'était 1, 2, 3, 4, 5, boum. Mais attends, je vais te la montrer, là, quand j'aurai fini le machin, je vais te montrer la Koenigsegg, là, parce que c'est pareil, il y a des Koenigsegg, j'en ai dans mon garage, mais c'est pas, elles sont bof, quoi. Elles sont pas aussi rapides que celles-là. Attends, je vais te la montrer quand ça va se finir, bien sûr. Ben, si un jour ça se finit. Mais c'est vrai que normalement, bon, verra bien. Mais là, je suis content de moi. Pour moi, j'ai fini le jeu. Pour moi, le truc la fois que j'essaie de faire, c'est de faire les épreuves de vitesse. Et ça va être galère. Faudrait que j'essaye aussi les épreuves de vitesse, de radar, de saut aussi. Puis il y a l'épreuve que je redoute, que je déteste. C'est l'épreuve de drift. Ah, ça je déteste. Ça le drift. Je hais le drift. Je déteste. Sur ce Forza-là, les drifts, ils te mettent des scores de drift. Je sais même pas si eux-mêmes ils ont essayé de le faire. Enfin les concepteurs. C'est impossible. Tu vois les virages, t'as pas assez de virages,
T'as un endroit sur le jeu, le premier épreuve de drift, que tu débloques quand tu fais le jeu. Tu vois les virages, t'as au moins, je crois que tu dois avoir deux virages, ou trois virages, je sais plus, deux, trois virages, je sais plus. Et ils te disent, et ils te mettent un score que tu dois essayer de faire, c'est 45 milliards. J'ai essayé, ah, j'ai réussi. Demain, je vais faire quoi? Bah, je sais pas. Oh, c'est le jour le jour, moi, c'est moi. Bon, là, j'ai voulu faire un peu de force aujourd'hui parce que je voulais voir. Parce qu'il y en avait un sur Mixer qui m'avait dit que pour les panneaux, si on regardait bien, il y avait une espèce de boss. Donc, je voulais voir si, si c'est vrai. Bon, je sais pas, demain, j'en sais rien ce que je vais faire. On verra. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être un peu de. Je sais pas. Ça, hein. Peut-être un peu de. Un peu, j'ai pas voulu dire un peu de. J'en sais rien. J'en sais rien. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise du chef. Je sais pas. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que. Tout ce que je peux dire, par contre, c'est que le 4 ou le 5. Le 5 décembre, là, quand je serai payé de ma. Bah, quand je serai payé. Il y a un jeu que j'ai hâte, mais vraiment hâte d'avoir. C'est. Que j'ai vraiment hâte. C'est. C'est Juste Cause 4. Alors, ça, Juste Cause 4. Ça, Juste Cause 4. Ça, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je sais pas si tu connais Juste Cause, je sais pas si t'as déjà joué à un des Juste Cause, mais moi j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Il sort le 4. Il sort le 4. Mais moi j'ai hâte. Garage, garage, ça va bien, il est très hâte. Mais non. Trop dans les branches. Bah c'est pareil, trésor des granges, j'ai tout fait. J'avais aucune idée de ce qu'elle faisait là jusqu'à ce que j'en parle avec les mécanos. En fait, ces machines étaient conçues et produites au Royaume-Uni, mais le moteur venait des USA. Tu le savais? On en apprend tous les jours. Oh non, je garde pas privé, non, je... Malheureusement, je suis au chômage, malheureusement. Je travaille pas, malheureusement. Oh non, je garde pas privé, hein. Pas du tout. En plus, dans la région où j'habite, bah, du boulot, il n'y en a pas. Ils ont produit 19, ni plus ni moins. La dernière qui s'est vendue aux enchères dans est partie pour plus de 10 tous les domaines d'euros. Que je fais, dans, tout, enfin, dans mon domaine à moi, personnellement, bois, hein. Parce que j'ai un CAP horticole, et dans le domaine que je suis, enfin, dans la région où j'habite, où on est avec mes parents, à l'horticulture, bah, voilà. Donc, c'est... Ça marche pas, si quoi. T'en veux pas, je ça marche pas. J'arrête pas de dire à ma grand-mère qu'il lui faut un petit truc pour aller faire ses dans courses. Les autres domaines, avec c'est pas ça, mieux. Elle pourrait même aller jusqu'au rayon des croquettes pour chat. La région de Lyon, c'est la région au niveau du chômage, il est hyper élevé, mais vraiment élevé. Et même ceux qui ont des bacs, qui ont le permis, machin, ils ont pas de boulot. Ils ont pas de travail. Ah bon? Ou alors on les fait aller à. Ou alors ceux qui habitent dans la région, on les fait aller à Paris. On les fait aller à Paris. Puis ceux de Paris, on les fait venir ici. C'est un peu la. Bah bref. Je préférais travailler, hein. Je préférais vraiment travailler. Hein. Mais bon. C'est pas faute d'envoyer des. Comment on appelle ça? Des. C'est pas faute d'envoyer des CV, tout ça, mais il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot, donc de toute façon, c'est pas. Malheureusement. Oh putain, c'est laquelle déjà? Des millions. Je crois que c'est celle-là qui va. Je crois que c'est celle-là qui est la plus rapide, je crois.
Ah, ça me fait chier parce que vu les prix des voitures. Je sais. Non, ou c'est peut-être la guerre, je sais plus. Non, c'est acquise. Celle-là, elle est acquise. Oh, je sais plus à quel que c'est, fichier. Okay. La Riga ou c'est la One 1? Ah, je sais plus à quel que c'est. Je sais qu'il y en a une qui est hyper rapide. Bah, qu'on m'a dit de moi qu'elle était rapide. 17. 8015. Tu as 10 quasiment. Je vais pas arrêter. C'est bizarre ça parce qu'elle est. Ou c'est celle-là qui est la plus rapide, je sais plus. Tu fais quoi comme métier ou tu gagnes? Si tu aimerais faire quoi comme métier? Bah, dans mon domaine, c'est-à-dire. J'ai un CAP horticole, donc c'est un CAP horticole, c'est pour tout, hein, c'est pour. C'est pour tout, hein. C'est pour comment on appelle ça? C'est pour la mairie, tout ce qui est mairie, tout ce qui est même fleuriste. Enfin non, pas fleuriste, non. Tout ce qui est mairie, dans les mairies, dans les serres, tout ça. Mon CAP horticole que j'ai eu, il s'appelle ça. Tout ce qui travaille en mairie, tout ce qui travaille genre en magasin comme Truffaut, tout ça. Truffaut et j'en passe. Truffaut et j'en passe. Mais bon. Comme ça. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Bon, attends. Ça devrait pas être tant mal, mais bon. Attends, acquise, acquise. Putain. Putain, je sais pas. Je sais pas si c'est la Aguera qui est rapide ou si c'est la One 1. C'est cher, c'est en plus. Hein. Elle est chère. Je crois que c'est la One 1 qui doit être la rapide, je crois. C'est quand je vois ça, 10, vitesse 10. 9, 8, 9, 5, 9, 8. C'est ration 7-5. Crois que c'est la One 1, je crois qu'il est. La masse que tu es pas prêt, très connu. T'as quoi? La masse que tu es pas très connu pour l'instant. Ouf, c'est pas. C'est comme je l'ai déjà dit à je sais plus qui, moi je cherche pas à être connu. Hein. C'est, il y en a. C'est, il y en a sur. Tu sais, il y en a ce mixeur. Il y en a qui diffusent depuis bien plus longtemps que moi. Et ça, crois-moi qu'il y en a qui diffusent depuis X années sur Mixer. Et enfin sur Twitch Mixer, enfin sur n'importe quel support. Et ils sont pas si connus que ça. Hein. Tu sais, faut pas. Ils sont pas si connus que tu pourrais le croire. Tu pourrais le croire. Bon, ils sont connus. Oh la putain, la vache. Oh, ah oh, ouais, ça fait mal. Ça fait mal au cul. 485 000. Wow, vache. Ah ouais, ça l'a fait mal. Hein. T'as vu, hein, je t'avais dit 2 150 000. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal au fils. Ouh, ça fait mal au fils. Ça fait mal au fils. Ouh, ça fait mal au fils. Ouh, là, ça fait mal au fils. Ah bah attends, on va essayer un truc. On va essayer un truc dès maintenant. On va voir si je vais y réussir. Je sais pas si je vais y arriver. Attends. Attends, il y a un saut là que j'avais essayé de faire. Je sais plus où il est, celui-là. Il est où le saut là que j'avais fait? C'est celui là, je crois. Ouais. Ah, je vais essayer de faire un saut avec la bataille que j'ai achetée. Hein. On va voir. On va voir si elle est aussi rapide qu'on le dit. À 200 mètres, on m'a tournez à dit. gauche. Ah, pour le prix, j'espère, parce que non. Tournez à gauche.
oula, 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 oula. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Bon, allez. Le porte-monnaie est fini maintenant. Ah bah oui, mais si c'est pour tout le monde pareil. Hein. Pour tout le monde pareil. Malheureusement, c'est pour tout le monde pareil, ça. Tiens, tous les mois. Hein. Tiens, je vais pas... Je vais pas me perdre, hein, mais bon. C'est pour tout le monde pareil, malheureusement. Pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil. J'ai pas l'âge que t'as, une ricaille, mais bon. Oh, 4 mètres. Oh, j'ai réussi pour 4 mètres. Ah, dans le jeu. Ah oui, bah oui, bah dans le jeu, oui, ça c'est dans le jeu, oui, bah, ça, oui. Ah oui, dans le jeu, oui, oui, dans le... Ah, bah ça, dans le jeu, c'est... Pff, mais pas la peine, quoi, ah oui. Ah bah, je, oui, d'accord, oui, dans le jeu, oui. Ah bah je serais pas... Oh putain, c'est bon j'espère. Je serais pas contre ça dans mon portefeuille en vrai, hein. Je serais pas contre, hein. Je t'avouerai, je serais pas contre, hein. Je serais pas contre d'un petit... Je serais pas du tout contre d'un petit argent, d'un petit... Je serais pas contre d'un petit... D'un petit 3 millions sur mon compte, je serais... Je serais pas contre, hein. Je serais pas contre, hein. Je serais pas contre. J'en serais mettre. Je serais vraiment pas contre, hein. Faites demi-tour dès que possible. Si seulement on pouvait traduire... si seulement on pouvait traduire l'argent que tu te fais sur le jeu en vrai... ce serait bien, hein. Ce serait bien. À 200 mètres. Ah, moi, je serais pas... Tournez à droite.
Elle m'a l'air d'être rapide, mais à mon avis, elle la tape pas les 400. Hein. Elle la tape pas les 400. Hein. Alors... À 400 mètres, tournez à droite. Je sais pas, mais elle m'a pas l'air d'être les 400. Hein. Tournez à droite. Bon, elle est rapide apparemment. Elle a l'air d'être rapide quand tu freines, elle freine. Ça, c'est pas le problème, mais... Au niveau de la rapidité. En plus, il y a un moment dans le jeu, il faut faire un. Il y a un radar dans le jeu où il faut faire 420. Il faut faire 420. 430, quoi. 430. Je sais pas pourquoi, mais 430, ça me paraît. Moi ça me paraît... Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. La voiture allait être dure à conduire. Bah c'est parce que... C'est parce que là je la conduis là, donc c'est pas évident. Mais bon, après quand je serai plus habitué à la conduire, ça ira mieux. Et là, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Bah déjà, elle freine bien, déjà. Déjà c'est bien, elle freine bien, dans les virages elle freine, tu perds pas trop de puissance dans la vitesse. Oh merde. J'y crois pas tellement, moi, à la vitesse, je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas, moi, alors... C'est bizarre, hein, mais j'y crois pas, alors... Alors, 400 km/h, je sais pas pourquoi, hein, j'y crois pas. Vous avez atteint votre destination. Ah, oula. Putain. Oh, c'est pas bon. Oh, putain, 97 mètres. Ah, la vache. Moi je sais pas, ça me paraît... Je sais pas pourquoi, mais moi ça me paraît... 400 km/h, bon, elle monte vite dans les vitesses, c'est pas le problème. Mais 400 km/h, moi ça me paraît... Ouais, pas nickel. Hein. Ouais, on va essayer de prendre un peu plus d'élan. Même si là, je trouve que c'est pas mal comme élan. Attends. Hop. Attends. On va essayer. Un peu plus haut, voir. Bon, attention les yeux. On y va. Allez, on n'a pas peur. Allez. On n'a pas peur. Oh bon. On n'a pas peur et puis la voiture dérape. Bon. Oh.
Eh non. C'est incroyable ça. Même avec la voiture la plus rapide. Après tu peux tester sa vitesse sur l'autoroute. Ouais, je peux le tester, ouais, c'est vrai, je peux la tester, ouais. Attends. Essayez. C'est pas trop. Oui! Hein? Échec! Oh, attends, échec? Et pourquoi échec? Oh, attends, et pourquoi échec? Oh non, 9 mètres, oh non. Oh là là, je rêve. Putain, je rêve. Putain, il faut 9 mètres, quoi, je rêve. Putain, je rêve, 9 mètres, quoi. D'essayer de faire un saut. Oh, c'est bon les 140 mètres, là, c'est bon. Ah, allez bon. Eh ben putain. 242 mètres qu'il a fait, c'est pas grave. Non, j'ai essayé de faire un saut, Clem. Là, j'ai réussi. J'ai réussi à faire le saut. Bon, alors, il y en a un autre, un saut que j'ai pas réussi. Tiens, celui-là. Oh, mais celui-là, c'est combien? 35 mètres. Faites demi-tour dès que possible. Parce qu'en fait, je me suis acheté la la Koenigsegg One X, la, soi-disant, la voiture qui est soi-disant plus rapide que la Bugatti. Et qui atteindrait les 400 km/h. Chose que je doute, mais bon. À 400 mètres, tournez à gauche. Chose que je... Tournez à gauche. Je sais pas pourquoi je doute. À 200 mètres. Mais normalement, elle atteint les 400. Tournez à gauche. Alors, moi, je vais bien, mais. J'ai quand même de sacrés doutes.
mais soi-disant qu'elle est atteinte. Moi j'ai bien, mais bon. Allez, on y va. On freine pas. On y va. Ah, j'ai peur. Bon. Même pas la peine. Plus je vais à droite et je vais à gauche et je vais à droite et je vais à gauche. C'est pas bon ça. Pas bon ça. On va essayer de pas aller trop à droite ou à gauche. On croit que je suis un bourré quand on croit que je suis complètement bourré quand Attends, c'est combien je vais vous faire? 305 mètres. Wow. De rien, hein. C'est le but, hein, que je passe, que moi je passe une bonne soirée, puis que ceux qui me regardent aussi, hein. Oui, j'ai joué à tous les Forza, oui. J'ai joué à tous les Forza. Donc je les connais tous, oui. Je les connais tous.
Ouais, il est chaud, ouais. Surtout, j'arrive pas à le prendre droit. Surtout, j'aimerais bien le prendre droit, mais que j'arrive pas. Ah oui, il est chaud. Ouais. Surtout que non seulement j'aimerais bien le prendre droit, le sauter droit, et j'aimerais le prendre en... le prendre, comment dire, le prendre aussi vite que je peux, quoi. Mais là, c'est... Échec. Et pourquoi échec? Pourquoi échec? Et je peux savoir pourquoi échec? Mon problème c'est que si je le prends de trop loin, certes je vais rouler très vite. Le problème c'est que rouler très vite, c'est bien rouler très vite, mais après il faut, c'est le problème. Comme tu peux le voir, faut que j'atteigne au moins les 300 mètres. Mais 300 mètres. Je vois pas par quel miracle je pourrais atteindre les 300 mètres. Ce que je vois pas, c'est surtout avec les voitures, quoi.
Oh putain. T'as vu, j'ai failli. Oh, c'est la Bugatti, j'avais déjà essayé la Bugatti, mais... J'avais déjà essayé la Bugatti, mais... Oh, putain. J'avais déjà essayé la Bugatti. Le problème c'est que j'arrive pas droit. Ça le problème c'est que j'arrive pas droit, un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche, un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche. Attends, je vais essayer une voiture qui n'a pas de vitesse, je sais pas quoi. Attends, une voiture. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Je crois que c'est la Nova, je crois ça. Il me semble que c'est la Nova. Édition boost de prouesse et vitesse. On va essayer celle-là, la boost de prouesse et vitesse, là. Apparemment, c'est une voiture qui fait pour la vitesse. On va voir, hein. On va voir. Apparemment, c'est la spécialité de vitesse, ça, apparemment. Ah bien, hein. Bah pourquoi je suis pas passé?
Oh putain. Oh mais pourquoi qu'il va tous par là quoi, c'est hallucinant ça. Oh mais bah attends, c'est une blague. Putain mais pourquoi j'y arrive pas. Attends mais c'est une blague, hein. C'est une blague. Plaisanterie. Oh, 5 mètres. Oh, j'hallucine, quoi. 5 mètres. 5 mètres, quoi. Oh, il manque 5 mètres. J'hallucine, 5 mètres. Oh, j'hallucine, quoi. Oh, 5 mètres. Non mais t'y crois toi, non mais 5 mètres. Non mais 5 malheureux mètres, tu crois? Oh non mais ça c'est un coup. 5 malheureux petits mètres. Thank you.
Oh putain. Oh là là. Oh là là. Putain, j'avais réussi à faire 300 mètres et puis j'aurais même pu.
Salut poussière Johnny. Bon allez, on fait encore une fois. Je sais qu'avec elle on peut. On peut y arriver à faire un. Tout à l'heure avec le bateau qui. Tiens, pour 5 mètres j'étais bon quoi. 5 malheureux mètres. Putain, ce saut là, 300 mètres. Si un nomade va. Thank you.
En Gaterham, peut-être qu'en Gaterham c'est plus, peut-être plus rapide. J'y crois pas trop, les loups. J'y crois pas trop, mais. Ah, bien. Bon, j'en suis, hein. Je peux pas le dire. Une Aguera RS, comment ils font? Une Aguera, mais comment ils font? Comment ils font? Inagera RS, mais comment ils font? Bon, c'est que l'Agera RS, hein. Même si j'ai doute qu'elle aille à... Thank you.
comment il faut pour la faire là, sans... Bon, je vais faire la Koenigsegg, je vais essayer de faire l'épreuve des vitesses. Parce que là, je vois pas. Elle est où l'épreuve des vitesses? Non, c'est pas ça. Attends, 388. Non, c'est pas ça. Ça, je crois. Tiens, 426 km/h. Ah, faudrait juste qu'on m'explique comment faire que... Comment faire 426 km/h? Faites demi-tour dès que possible. Moi je dis qu'elles atteignent pas les 426. Je dis qu'elles les atteignent pas les 426. Tournez à droite. Franchement, si j'y arrive, ben non. Si remarque peut-être que... Après évidemment faut pas qu'il y ait de l'autre moi évidemment. Si il y a de l'autre moi ça va le faire. Mais il faut que j'aille où pour qu'elle aille... Attends. Il faut que j'aille où pour qu'elle aille jusqu'à 408 426 Il faut que j'aille jusqu'à où.
faire jusqu'à la fin. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une voiture. Là quand même. Oula. Là quand même, si elle arrive pas à les 426. Là je comprends pas. Là franchement, je ne comprends pas. Oh non, putain. Ah, puis évidemment, elles sont là. Évidemment. Oh là là. Oh là là. J'ai... Non mais je rêve, quoi. Putain. Oh là là. Elle atteint même pas les... Elle atteint même pas les... Elle atteint même pas les 86. Elle atteint... J'étais à... Attends, je fais à fond, elle atteint même pas les 86. Attends, je rêve, non mais je suis à fond, elle les atteint même pas les 86. Attends, je suis à fond, elle les atteint même pas. Attends... problème là, il y a un problème. Même à fond, elle les atteint pas les 86. Attends, il y a un souci, il y a un problème là. Il y a un problème. Attends, là, il y a un problème. Attends, elle est censée les atteindre les 86, hein. Elle est censée les atteindre les 426. Et haut la main. Tour dès que possible. Voilà. Attends, à fond, elle est à 416. Attends, c'est hallucinant, quoi. À fond de chez à fond, et pourtant... Si vous voulez, avant, pourtant, je suis à 416. Je peux pas... C'est pas possible, 426. C'est pas possible, 426, hein. Ou alors... Non, il y a un problème. C'est pareil pour leur saut, 300 mètres, comment tu veux faire pour faire 300 mètres, c'est pas possible en fait. C'est impossible à faire en fait, 86 mètres, c'est un jeu en fait. 300 mètres, comment tu veux faire. Tout à l'heure j'ai réussi avec la vitesse, et puis quand je... Tout à l'heure j'ai réussi avec la voiture de la... Une vitesse, mais attends, c'est... À 400 mètres, tournez à droite. Pour 5 mètres, c'était pas bon, quoi. En plus, 300 mètres. 300 mètres en plus. Mais 300 mètres, ils se rendent pas compte que c'est 300 mètres. Hein. Ils se rendent pas compte que c'est 300 mètres. Tournez à droite.
atteint votre destination. Non, mais par contre, ça pourrait être bon si... Encore, je dis bien si... Ça pourrait être bon si... Il n'y a pas de voiture qui se met devant. Et là, ça va pas être bon. Oh putain. Mais il faut aller où pour atteindre 380, c'est hallucinant ça. Putain, il faut aller où pour atteindre 380, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà. Ah, quand même. Eh ben, yon. Eh ben, putain. Bon, voilà. Ça, c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, 426, ça c'est impossible. Parce que même à fond, j'étais à 418 et encore, je suis parti. Attends, faut. Même là, il faudrait que j'aille. Et encore, je suis même pas sûr si en passant de là. Et encore, je suis même pas sûr si en partant du rond-point de là, pour aller jusqu'à là, si ça serait bon, quoi. Pourtant, j'étais parti de loin, pourtant. J'étais parti de loin. Il faut quand même pas que je parle quand de plus loin, quand même. J'étais à 418, quoi. Et encore 418 à fond, hein. Le truc était à fond, il pouvait pas aller plus loin. Salut, Takada. Takada, c'est ça, Takada. Je pouvais pas aller plus loin. C'est hallucinant, leur truc. Je pouvais pas aller plus loin, de toute façon. Hallucinant en tout cas, c'est hallucinant. Bon, alors, c'est quoi ça? 225. Faites demi-tour dès que possible. 125. À 100 mètres, tournez à droite. Et encore, on m'a dit que la Koenigsegg, machin, que j'ai pris, là, elle va vite, mais à fond, sans prendre de voiture, sans freiner, sans rien du tout, à 400 vite. À gauche.
Elle les a tapé, hein, les 86. Hein. Elle les a tapé, les 86. Hein. 416, mais 86. 410 du moins, mais 86. Je sais pas d'où ils ont rêvé, 86. Hein. 480. À 100 mètres, tournez à droite. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Demi-tour dès que possible. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Vous avez atteint votre destination. À 400 mètres, vous arriverez à destination. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Bon, bah écoutez, hein, moi j'arrête là parce que moi les épreuves, j'ai la voiture pourtant la plus rapide, mais bon. Bon, allez, moi j'arrête là. Bon, allez, moi j'arrête là. Et voilà. Pas la peine, hein, essayer de faire quelque chose. J'arrive pas. Bon, allez, moi je vous laisse. Bonne soirée. De toute façon, ce que je voulais, c'était de trouver tous les panneaux. J'ai réussi. Bon, bah. Maintenant, bah, on va attendre bien gentiment que. On va attendre bien gentiment que l'extension arrive, hein. Puis on verra après, on verra. Bon allez, bonne soirée, bonne soirée. Allez, tac, j'arrête là.